C'est reparti, mon kiki! Crossroad Mysteries de Broken Deal! Nous continuons l'aventure, j'espère que ça a bien sauvegardé au bon endroit, sinon je suis niqué. Ouh, fantastique! Vas-y, fais-toi plaisir! Fais-toi plaisir! Oh, je déguste mon petit latte. C'est verrouillé, ok. Ah ouais, ça aurait été trop facile. Oh, mini-jeu? Un puzzle. Faut faire les coins d'abord. Par exemple, tu vois, ça c'est les coins lames. Là dans le coin là. What the fuck? Ah, c'est, ah, c'est ça, ouais. Moi je l'ai mis tout au fond. Non, faut mettre dans le cadre. Encore au-dessus à droite. Ah non, on peut pas tourner. Donc, ah oui, ça, je dois bouger. Oh, il est facile. Ouais, il est pas difficile. C'est ici. Il peut le faire. Ouais, we can. Ici, je suppose. Ouais, c'est bien. Vous supposez bien. Je suppose bien. Ouais, ça, il va là. Gauche. C'est le corps de la femme, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, après on verra plus. Ah, ça va donner un code. Détective. Je me souviens de cette photo maintenant. Ah, je crois que j'ai mis trop fort le son, je vais rectifier. C'est parce que j'avais fait une vidéo, alors le son n'était pas fort. Voilà. Oh, de la soupe. Celui-ci contient encore de la terre. Miroir. Ah, c'est les chiffres. On a une partie là. Ça va nous donner. Il faut le mettre au bon endroit. Et ça, faut l'incliner du bon endroit pour que ça fasse apparaître les chiffres. Il faut le faire juste tourner. Faut qu'il soit sur, en parallèle avec les autres chiffres. Enfin, sur la même ligne que les autres chiffres. Voilà, tu étais presque. Voilà, c'est bon. 25, 26, 58. Ok, 25, 26, 58. Ah, elle brille. Bah oui, c'est ça, elle brille. Mais tu as retenu ? 25, 26, 58. On va peut-être l'écrire. Il faut un code, elle dit. Tu veux que je le mette? Attends. 25, 26, 58, c'est ça? Jamais. Il est sûrement marqué là, tiens. Dans le carnet. Tu vois? Il est où? Ah oui, ok. D'accord. Bah, on prend le jeu. Voilà. Ah, la carte, c'est la carte. C'est un mini-jeu. Ah non, ici. Ah oui, il y a un code ici. Ah ben c'est ça, le code. Oui, c'est ça. Donc, 25. 26. 26. 5, 8. 5, 8. Fantastique, et voilà. Bingo. Hop là, tu vas prendre ta gueule. Ah, ça c'était les pilules. Ah, des radios. Bon. C'est le dossier médical d'Anna, et donc le mien, il est écrit, symptômes, forte fièvre suivie d'une perte de connaissance, blessure cutanée d'origine inconnue, diagnostic, aucun. Pas de diagnostic. Ouais. Il y a des picouzes. Picouzes. Pilouze, picouzes. Clé. On a tout jeté pour avoir. C'est quoi une poignée l'autre truc? Non, c'est un zipper. C'est pour. Ah, c'est un zipper. C'est un curseur. Un zipper de sacoche. Une fermeture éclair. Yeah. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? On a une clé et on a ici un coffre. Clé, plus coffre. Oui, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Un œil. Ah oui, pour le. La tête de mort. Ouais, le squelette. Donc, et on a poignée. Ça, c'est un c'est pas la tirette ici. Ah non, ça n'a rien à voir. Il faut un côte. Ça, il faut que
Contient de la terre. Ce vase contient de la terre. Fera pousser une plante, tu vois. Ah, bah le zip, Bah, voilà. Voilà. Le zip, il zip. Est là. La fermeture éclair. Zzz. On va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dans sa poche. Il a des choses La dans sa croix, poche, la petite croix de la boîte. Ouais, enfin la croix. Oui, oui, il nous faut porter notre croix quotidienne. La boîte de trousse de secours. Ouais, on va faire celle-là d'abord parce qu'elle est vraiment toute. Ah, celle-là nous a vraiment fait poireauter ouais. Longtemps, celle-là. Et c'est passé quoi hein? Poignée bleue. Bleue. Donc ici, on a fini en fait. Il faut faire la tête de mort, c'était où? Tête de mort, c'était en laboratoire. Le laboratoire, ici. Dans le porte-manteau. Enfin, j'ai dit au porte-manteau, ça me fait penser à un porte-manteau. Elle va ouvrir la bouche. On va ouvrir la bouche. Un deuxième jeton. Ah, un deuxième jeton. Ah, c'est pour le jeu. Ah, mais c'est des boutons pour le jeu. C'est vrai, il y a un jeu. Ouais, le jeu que tu avais là. Il nous manque quelque chose. La poignée pour le pour l'eau. Ah, c'est un trou fileté. On va faire ça. On va voir ce que ça donne. Fantastique. Ah, eh ben voilà les trois ah, boutons. Jeton. Tu peux faire le jeu. Tu peux faire le mini-jeu. C'est où tu as commencé? Ah, c'est là? Bah, je ne sais pas. Oui, il faut avancer, hein, c'est ça. Ouais. Non, il faut aller au bout du couloir. Là, où on a commencé, là, ici? Dans la chambre. Ouais. Ou dans la chambre? Non, dans la salle laboratoire. Ah, attends, je recule, je recule. Je recule. Dans le couloir, voilà, c'est ça. On va dans la reculer. Chambre. Et la boîte en bas, voilà. Là, les boutons, tu vois les boutons. Peut-être il en manque encore un, je sais pas. Merde, il en manque encore un. Ok. D'accord, ça c'est fait. On va aller dans notre pièce qu'on les a vu. Ici. Donc ici, il y a sûrement quelque chose dans ce couloir. Mais c'est quoi? Regardez le mec qui est mort dans le mur, non? On ne sait plus faire. Non. Dans la boîte aux lettres, on ne sait pas refaire non plus. Par terre, là, non, rien. Ah, c'est normal, ici, ça se secoue. C'est ça bouge. Ah, c'est pour te gay, ça bouge. Ah, ça, la pelle. Ah, pour ramasser la terre. Ah, dans la terre, oui, on va trouver le jeton dans la où, terre. Ici? Dans la chambre, oui. En dessous de la fenêtre, il y a une vasque. Ah, oui, là. On va sûrement trouver le bouton qui manque. Ouais. Voilà. Ah, bah, voilà. On peut ça va, on est dans la même chambre. On peut boutonner maintenant. Ouais, on est dans la même chambre. Ah, dis, c'est pas le code. Alors. Encore. Ils se foutent de nous là. Après tout ça, il faut un code. Ok, d'accord. Donc on ne sait pas jouer. Hein. Il nous faut le code. D'accord, monsieur. Allez, la place. Ah, on est dans la même chambre. Ah, le code. Ah, c'est dans le tuyau peut-être alors. Ah, ouais. Il est caché dans le tuyau. Il y a quelque chose, il faut récupérer les 3 et 3. La balle de bière numéro 6. Donc, bonne question. Il y a des choses qui bougent dans ce truc-là. Ah ouais, des fantômes, hein, ouais. Regarde, je crois, elle était là. C'est un indice. Un indice. C'est bien caché, hein. Sur le lit, non? On ne sait pas faire ça. Il faut faire au hasard. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est le machin qui demande. Faut peut-être taper les couleurs au hasard. On n'a pas une indication dans le bouquin. Il y a un mini-jeu qui s'est ouvert, hein. Ah non, c'est toujours ici. Le bouquin il dit pas. Ici, dans objectif. Ah non, ça c'est les fioles. C'est là le bouquin. Ouais, recule pour voir s'il dit pas quelque chose. Avec les codes de couleur. Ah, c'est quoi? 53? Non. Non, apparemment on a. On a rien. Ok, on a pas. Non. On a pas. Ok. On va faire au hasard. Donc ici on a un truc, on ne sait pas le voir. Donc, ouais, comme tu dis, c'est au hasard peut-être. T'en pousses le bouton du milieu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il faut un code. Ah non, on ne sait pas faire parce qu'il faut vraiment un code. Ok, donc on a sûrement, il y a un truc que j'ai pas bien vu. Sûrement. Ah, ah, ah ben voilà. C'est quoi un sous vide? On va mettre de l'eau. Et on va mettre de l'eau là-dedans, ça va faire flotter la boule. Ah ouais, et on sait où est l'eau dans la laboratoire. Il y a un jerrycan d'eau. Yes. Hein. Ah non, c'est pas ici. Ah ben non. C'est dans la pièce à gauche. Ouais, c'était dans l'autre pièce. Here is it.
Voilà. Bah, dans le laboratoire, oui, très bien, dans le laboratoire, mais... L'autre, c'était la salle des radios. Là. Ouais. On a le seau d'eau, on va le mettre dans, dans le tuyau, on va avoir la boule. Mm-hmm. Et il va nous donner le code, sûrement. Et la boule va nous donner le code. Ouais. Okay. Peut-être que le code sera dans la boule. Ouais. Tu vois, il faut l'ouvrir. Ah. Et voilà. Nous avons un code secret. Ah ouais, ouh là là. Ça veut dire quoi? Vert, bleu, jaune. C'est ça. Alors, jaune, jaune, vert. X, c'est quoi? Il y a J, V, je peux dire c'est jaune, vert. Il n'y a pas de rouge. Velvet, c'est en anglais. Non? X, mais il n'y en a que 3 trucs alors qu'on a 4 couleurs. Ah. Ça veut dire quoi le code? Attends, on va d'abord cliquer pour voir. Ah! Il fallait cliquer deux fois le jaune. Ici. Non, c'était pas deux fois le jaune? Ok, non. Qu'est-ce que je fais? VX. Ah ben il est marqué là, JJVX. Et où JJ? Non, on n'a pas le J. Ah. Faut continuer à ouvrir, non? On peut pas. Faut changer celui-là. Bon. Mais en fait, ça c'est des chiffres, c'est 5. Ça c'est quoi? 1, 1? Ou 10? Non, tu vois, le V il est là. V, le 5, X oui. Il est là. Oui, c'est ça. Là, le 9. Ah, ça c'est le 2. I, c'est 2. 5. Tu crois? Oui, hein. Mais depuis une fois, tu as cliqué 66 fois. X. Et on, non, ça c'est I, X. Je comprends rien. Comment est-ce qu'on recommence? Ouais, on recommence. Vas-y, okay. Fais-le. Fais ton idée. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a 2. Regarde, 2. Après, il y a le V. Après, il y a le X. Après, il y a le IX. Après, il y a le 2. Après, il y a le X. Je vois rien v, de tout ça. 2. V. X. Je n'ai rien compris. De rien compris. De rien. Mais c'est pour ça qu'on se complète. Ah, mais non, j'ai rien compris. Mais absolument rien. J'ai rien pigé. Je reconnais, j'ai rien pigé. Vas-y, tu peux le lire. Dans sa lettre, Marie dit qu'elle a affaibli. S'affaiblit de jour en jour et que les docteurs ne sont d'aucun secours. Elle explique avoir passé un marché. La description est assez vague. Toutefois, elle mentionne un carrefour et une église. Il est clair que Marie était très angoissée, mais elle cite souvent l'église de la ville. En toute logique, je devrais aller y faire un tour. J'aperçois une lueur dehors. J'ai dit, je devrais aller n'importe quoi. C'est la petite lueur au bout du tunnel. Ah ouais, il y a une église. Il y a un carrefour et une église. C'est clair. Trop bien. Parti sauvegarder. Ah, il l'a dit lui-même. On a fini le chapitre. Ah, à l'entrée. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est le shérif. Mais est-ce qu'on est avec le shérif, là? D'après les journaux, le phare est abandonné depuis au moins 25 ans. Je devrais trouver un émetteur-récepteur au premier étage. C'est le shérif, ben oui, c'est le shérif. On lui dégage le passage. On joue pas avec le shérif. C'est verrouillé, impossible. Tu crois qu'on va jouer avec le shérif? Ça, c'est des allumettes. L'aiguille est profondément enfoncée. Ok, attends, on va voir qui est là. C'est lui, regarde, il est en train de faire. C'est bizarre cette voiture, elle est louche. Hein? Il est en train de jouer tout seul dans la voiture. Ouais. Un fil est emmêlé, on sait pas le prendre. On a un truc là. Il y a des choses ici. Hein. Ah, une poignée. Donc c'est ici. Poignée, c'est là. Ok, on ouvre. Et on prend le spray. Attends, le spray. Ça. Ça, on sait pas ce quoi. Utilisé pour l'nettoyage du système de drainage et il est fermé. Ok, donc ça il est en deux, donc on va d'abord ouvrir, voir, presque et plein. Presque plein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais me servir, je crois que je mettrai le tube. Ah ouais, yes, le tube plastique va fondre tout sous l'effet de chaleur.
Ah, donc, et on a les allumettes, trop cool. Mais pas ici qu'on va l'utiliser. Peut-être ici, là? Parce que Ah ils oui, pour disent la qu'il détente. peut. Et je mettrai le feu. C'est ça. Viens sur le truc. Tu Non, ne il mets veut pas, pas. tu ne mets pas sur la roulette. Mais il n'y a pas de roulette. Non, ça marche pas. Parce qu'il lui manque un truc en fait. Donc c'est pas là. La porte est robuste, même si tout semble rouillé. Ok, donc. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Le. Bah, peut-être que je nettoie que ici. Non, ah, non, il manque quelque chose à celle-là, mais c'est bizarre. Dans un Elle. tube. Vas-y. Elle veut pas. Pourtant, j'ai les allumettes, hein. C'est pas ça alors. Fais avec les allumettes sans le chalumeau, sans cet objet-là. Si on a des allumettes, peut-être rien que ça va marcher. Il y avait une main, c'est pas prendre un truc. Vas-y, il y a un truc. Ah ouais, Ryan. Ah, c'est pour le fil. On a le fil. Fil de pêche. Tu crois que c'est ça qu'il faut? Vas-y. Ah, c'est un fil de pêche, il est vraiment solide, hein. Ouais, Ryan, très bien. Ça, le pire, ça permet de sortir. Ah. Donc ça, c'est une valve. Ah, Ouais. c'est pas Vas-y. Bien sûr, heureusement que tu es venu, hein. Maintenant, tu peux mettre le feu, non? Ah non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je veux vraiment allumer le feu, quoi. Ah, maintenant ça Sur la marche. porte. Tu crois? Ah, mais la porte, tu parles chamois. On la découpe. Hein. Ouh là là, on va découper la La porte porte, qui est on la en fait métal. pendant la pierre quand même. C'est vrai. Donc là, on est. Ouh là là, mais qui est-ce? Oh my god! On lui a tiré encore. C'est comme on a fait tout C'est à la l'heure. police. Ah oui, on est le shérif, j'ai oublié. Fichtre, qui c'était et que fait cet homme dans un phare abandonné? Ma jambe, il y a un kit de premier secours dans la voiture. Je dois le récupérer avant de me vider de mon sang. Encore mourir. Ah ben, on va se soigner, hein. Oh oui. Stylo, couteau, Ah oui, mais on voit pas bien, donc. boussole, poing, extincteur, lunettes, ballon de rugby, lézard. Attention, tu cliques pour rien là. Faut pas que tu fais des clics rouges. C'est vrai, mais pas pour enlever la poussière. Ballon de rugby. Extincteur, ballon de rugby. Couteau, boussole, poing, lunettes, lézard, tuyau, brosse. Ah non, c'est là où il y a la souris qui a la lumière, si jamais. Ah ouais. Point, lunettes, lézard, tuyau, brosse, couteau, boussole. Point, lunettes, lézard, tuyau, brosse. En fait, c'est quand c'est à elle qu'il y a ça. couteau, boussole, point. Lunettes, lézard, tuyau. Couteau. Boussole, était sur la boussole. Poussole, ok. Point, lunettes, lézard, tuyau, Lézard. brosse. Point, lunettes, tuyau, brosse. Lunettes. Tuyau et brosse. Il est là, tuyau, non? Ça. Ah non. Ah non, c'est le volant. Ah non, je sais pas. C'est un C'est un tuyau clip, pour moi. Peut-être qu'on ne sait pas le prendre Ah comme ça. voilà, j'ai pas bien Oui, t'as pas cliqué. envie. Pas bien Qu'est-ce qui manque? brosse, point, équipe de premier secours en 2 fois. Kit de premier Aussi, on secours. va un point. Point et brosse. Peut-être un point américain. Ah Là, il y a ouais. une brosse. Ah ouais, une brossière. Ah. Et en même temps, j'ai ouvert la boîte. Donc Faut le là, faire on. ça, Ouais. parce que ça ne trouve pas d'anime, Oui, c'est vrai. pas là-bas. Ah oui. Ah oui, tant pis. Bah oui, hein. Les pouvoirs Écoute, magiques, les poètes.
Donc, ça devrait contenir la perte de sang pour un moment au moins. D'accord, monsieur. Ok. Donc, on continue, on rentre, on explore. La porte de la salle radio est verrouillée. Un pistolet ne me sera pas d'un grand secours. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'acier est plutôt épais. D'accord, ok. Ça, on peut la prendre. Tournevis. L'un à l'autre. Ok. Oh, mini-jeu, qu'est-ce qu'ils disent? Disposer les éléments comme sur la photo. On n'a pas la photo, bah, il faudra il y a que 6 cases en soi. Les bonhommes. On fait ça, par exemple. On fait. Ah, il y a les couleurs aussi. Ça, c'est là-haut, ça. On va échanger avec celle-là. Et après, je fais ça. Celle-là, elle va aller. Quand c'est gris, ah, ça c'est bien, ça regarde. Ah gris, ouais. C'est bon. Donc ces deux-là doivent être échangés. Non, tu fais ça à droite. Et je la descends. Ouais, trop bien. Comme tu dis, je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Le hasard. Toi, tu sais. Hein. Mais il veut pas bouger. Ah, c'est moi qui dois prendre. Je suis trop intelligente. Donc, j'ai une clé avec dents triangulaires et l'entonnoir. Tiens, on va faire d'abord la cloche, puisqu'on a déjà la clé. Ouais. Voilà. Ah, on a récupéré là, couloir et l'entonnoir. Ok. Ouh, on a même une porte qui s'ouvre. On va d'abord voir ça. Il y a une petite cachette sous les escaliers. Ça, super, c'est quoi? De plaque, du coup, aucune lumière ne filtre. Mm-hmm. C'est ça qu'on a lu. Ah non, ça ne marche pas. Entonnoir. On a entonnoir, ça. Un objet dans la toile. D'accord. Et là c'est... aussi. Ah ouais. Là. Ah oui, il y a un truc. Ah, c'est ça. Ah, c'était celle-là qu'il fallait mettre. Sûrement. Il faut maintenant l'ampoule. Ok. Sur quoi? Pourquoi? Pour l'arroser? Non, Ryan. Un peu de tenue, Ryan. Un peu d'intelligence, quand même. T'as laissé ton cerveau de l'autre côté? On est dans la cuisine, non! Pas la cuisine. Oui, c'est vrai. La charnière de la porte est étroite. Ok. La cha-cha-cha. L'image sur la porte du coffre fort est constituée d'éléments que l'on peut déplacer. Je dois reconstituer la bonne fréquence. La bonne séquence. Ah oui, il manque le loup. Ah ouh. Garou. Garou, garou. Oh, on va prendre ça. C'était quoi? Bar. Ok, bar avec encore. Oh, on va prendre ça aussi. Lampe à pétrole, il manque que le pétrole. Ne me dis pas qu'on va prendre ça aussi. Ils en prend tout. Hein. Jerrycan de machin. Ok. Ah. Jauge de température et qu'est-ce qui manque? Rien. Bah, il manque un truc quand même, mais ils disent pas. On va seulement mettre des trucs dedans pour la chauffer. Non, ça sera pour mettre dans la lampe. Quand on va le brûler, ça va pas monter ce truc. Ouais, c'est ça, on va chauffer peut-être. Celle-là, je l'ai fait. Hein. Ah non, pas encore. Ah oui. Ah ok. Peut-être ça? Non. Allez, on va reculer un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de choses ici. Ah mais j'ai pas encore fait cette... Ah non. Ah oui, c'est là où je viens. Donc ici, ils ont dit qu'un objet. Ici, il manque une ampoule. Ici ils disent qu'il y a la barre. Ah, peut-être que c'est ça. Barre avec encoche.
L'acier est plutôt épais. C'est pour le couper, peut-être? Ici, on a une ampoule, jerrycan et lampe. Pétrole, ici? Non. Ici, ils disent que c'est... Bah, c'est... Ah oui, ça, c'est verrouillé. Ok, d'accord. Ouh, ça se passe ici, ça se passe ici. C'est quand même des objets sur le four. La barre est à deux bases. Celle-là, ici? Mais c'est quoi le but? Ah si, c'était ça. Bizarre. Mais... Ah... Ah... Oula. Oh, j'aurais jamais fait ça. Ah, on a un code. Il est où, mini-jeu? Alors, c'est quoi? Clique sur les éléments selon le code. Utilisez les couleurs en guise d'indice. Donc... C'est quoi? Alors, le après, c'est la couleur comme ça. La couleur comme ça, c'est... En... Celle-là? Oui, c'est ça. Ouais, celle-là. Et non, c'est... Je clique là? Ouais. Après, c'est le rouge. Le brun. C'est ça? Ouais. Du coup, c'est... À gauche, là. Après, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. Ça? Ouais, c'est ça. Après, c'est le bleu. L'autre bleu, le bleu foncé, c'est ça. Après, c'est le jaune. Le jaune, il est là. Après, c'est le rose. Le rose, on l'a vu, c'est ça. C'est pas l'autre rose. J'hésite entre les deux verts. Non, c'est le vert de là. Attends. Non, le vert de là. Le rouge, comme ça. Tout en bas, c'est le chien. Après le mot comme ça, et là, à droite. Ça? Et le vert comme ça. C'est celui à gauche, c'est le nuage. Et il y a ce bleu orange, il n'y en a pas. C'est aussi sur le chien là. C'est sur le chien aussi. Vas-y, il n'y a pas de 3. Vas-y, essaye. Vas-y, essaie parce que moi j'ai pas pigé. Bon, il descend, on a, ouais, on a pas tenu. Parce que ça, je pense pas que c'est celle-là, je pense que c'est celle-là, non? Ouais. Il y a pas celle-là. Ah, ouais, regarde. T'as raison. Ah, ben, on a vous êtes trompé, rien. Vous, c'est ça. C'est bleu, c'est bleu ça, non? Non. Ah, oh, merde, c'est pas la raison. Ouais, c'est celui-là. Ouais. On va laisser ouais. Ryan faire. Ah bon, du coup, ouais. Ouais. Il y a trois verts. C'est le bleu. Attends, c'est le bleu ciel. Non? C'est ça, regarde. Non, c'est le bleu ciel maintenant. Non? Ah, je ne sais pas. Ça suit bien, non? Oui, c'est... Ah, oui. Ah, non, là, t'as clair le vert. Moi, j'étais dans le vert. Moi, j'aurais fait celui à droite. Là. Ça? Ouais. C'est vrai, il y a deux... Ah, c'est le bleu du bas, c'est ça, oui. Dans la feuille, ouais, dans la feuille, là. Le brun. Le brun qui est en haut. C'est ça. C'est... Le bleu foncé. C'est celui-là. Il reste plus que celui-là. Ok. Le jaune. Ah oui, il faut utiliser plus que les couleurs. C'est ça. C'est ça. Le... Ça. Ouais.
c'est vers là. Oh non, c'est l'autre. C'est le vert de droite. Moi, je ça, vois celui-là. Ah, c'est le clocher. Ah ouais. Le rouge, en bas, le chien. C'est pas le truc qui est derrière. Réfléchissez bien. Mais on a le des croix. Ah oui, quand il y a le croix. Peut-être une autre fois, on va pas être tout pas. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais, c'était derrière le chien, pas le chien. Alors, le mot. Ben, à droite ici. Ça. Le vert. Presque. C'est ça. Et l'orange. Ouais, j'ai trouvé. On a fait quoi? On a ouvert. Ah oui, on a ouvert ça. Oh, ces notes ont été rédigées par Steve Odd. Je me souviens de lui, c'était le gardien du phare. Il est de retour. Je l'avais prédit. Pas étonnant qu'une nuée de corbeaux vole au-dessus de l'église depuis 2 semaines. Celui ou celle qui l'a réveillé n'est assurément pas un habitant des environs. C'est certain. Aucun local ne s'approcherait de lui, ni ne lui parlerait. Quelqu'un nous a trahis. Je dois partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est maudit. Il a tous les pouvoirs entre ses mains désormais. C'est la fin. Mais de quoi parle-t-il? Je me souviens que la ville avait été évacuée. Mais la version officielle voulait que ce soit à cause d'une contamination chimique des nappes phréatiques. C'est à cause de Bill Gates. Ah là là, allez, on l'ampoule. Ouais, une tête d'ampoule. L'ampoule. L'ampoule. Allez, on va ici. On va mettre l'ampoule. Que la lumière soit. Qu'est-ce qu'il dit? Du coup, aucune lumière ne filme. Ça, je sais pas, ça va couvrir. On va mettre un miroir pour. Plaque. Donc, on va faire le jurikan, Cory, machin. Ah non, on va l'allumer. On va peut-être mettre un miroir pour que la lumière elle reflète sur le truc. Il y a une petite cachette sous l'escalier. C'est bizarre. On peut toujours essayer l'entonnoir. Ah, oh, punaise. Il fallait tourner la lumière. Déplacer les éléments de sorte qu'ils correspondent aux couleurs. Comment ça? Il faut mettre le vert sur le vert. Parce qu'il est sur le mot, qu'ils sont pas sur la bonne couleur. Les autres, ils sont tous bons. Il y a que celui-là qui n'est pas en bon. Qui n'est pas bon? Ah non. Bah, ils sont tous pas. Le bleu, il doit être avec ça. Ah oui, c'est vrai, ils sont tous faux. Allez, amusez-vous. Hey, moi, je vais faire. Vas-y. Allez, Ryan veut bien faire. Allez. Top chrono. On peut déplacer que dans le trou vide. Ah oui, il faut que tu mettes dans le vide. Ah. Ouais. Ah oui, je comprends. Bah, tu comprends. Hein. Ah bon? Oui. Je crois qu'on est parti pour des heures de... Bon, on va lui donner sa chance. C'est une bonne idée. Non, moi, je voulais faire l'orange, mais c'est un mis sur le vert qui était bon, qui m'a enlevé. Ça, c'est bien. Tu veux faire ça? Non, bah, fais ce que tu sembles juste. Ça, et ça, c'est bon. Mm-hmm. Ouais, mais il y a un trou là. Bah, parce qu'il n'y a rien dans ici. Ah, ça, si, là. Mm-hmm. Ouais. Je vais faire la gauche. Tu veux essayer, toi? Tu as dit que tu tournes les carrés. Oh, non, c'est meilleur. Ouais.
Moi je veux bien passer. Non, on va passer ce jeu parce que ça va prendre trop de temps. Ouais, ça va prendre trop de temps et c'est pas bon pour la vidéo. On va, voilà, on passe pas énormément les jeux, mais quand c'est comme ça, on passe. On a un clou, on a clé. Donc c'est, ah, peut-être c'est pour là, la clé. Wouhou! Ah, elle veut pas. Ah, bien sûr, il faut se poigner. Mais c'est quoi ça? L'émetteur transmetteur ne fonctionne pas. Il faut l'alimenter et ensuite je devrais régler les fréquences. Et l'antenne est cassée aussi. Hein. Il a qu'à prendre sa radio qu'il y a dans sa voiture. Qu'est-ce qu'on va faire avec les jumeaux? Ah ouais! Ah quoi, il y a les jumelles, c'est mini-jeux. Jumelles, plume, encre, engrenage, lunettes. Cloche, bouchon de pêche, bouchon de pêche, flotteur, une plume, ah, une mettre là, une lampe torche, encre, plume, engrenage, lunette, chiffre 2, mais j'ai pas le chiffre 8. C'est pas engrenage ça? Ah, faut c'est pas. Avec une traite, tu rajoutes. Bouchon. Ah, il y avait un bouchon. Il y a pas bouchon? Non, c'était un autre choix. Ah, c'était bouchon de pêche. Ah, il y a un truc là. C'est ouvrir une caisse. C'est quelque chose. Ça? Ah non. Ouais. Cette caisse? Ah ouais. Si, c'était ça. C'est Amazon. Amazon Prime. Lunette, encre, plume, cloche. Ah, j'ai ça. Passe coupant de bateau. Chiffre 8. Ça, c'est deux. Cloche. Cloche. Lunette. Bateau, il est là, mais il faut le casser. Ah, oui, là, il y a une plume. On a corte. Chiffre 8, pince coupante et bateau. Ben, le bateau, il est là. Faut mais il faut le casser. Là, il y a un tournevis, c'est pas prêt. Non, il y a une main. Ah, il y a une main ici? Bah, il y a une main quand on peut le prendre. Hein. Pourquoi ça sert à rien? Pince coupante, bateau, chiffre 8. Ah oui, il faut ouvrir ça, il faut une poignée. Oui, il faut une poignée ici aussi. Une poignée? Une poignée qui est... Bah, attends. Il y a des allumettes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Brûler quelque chose. Ici. Ah non. Brûler le papier. Brûler le papier, après faire le charbon avec. Ah, allumer la bougie. Ah oui, bien. Ah non. C'est sûrement allumer le feu quelque part et on va faire les cendres. Et on va... Il y a 7, mais il n'y a pas d'eau. Dans la boîte, il y a rien. Ah, il y a un truc là. C'est la clé. Oui. Elle est où? Et on a ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Ouvrir le tiroir. Avec ça, hein? Ouais. On peut? Ah, je sais pas. Le bateau. Ah, bah, c'est au bateau alors. Ah, oui, ah peut-être le bateau, les plus. Non, tirer le bateau de la bouteille. Avec une corde. Oui. Ah, c'est ça, la technique, on va casser. Ah, oh, c'est bien. Pas mal celle-là, pas mal. Ah, attends, ah, ici, la poignée Ryan, ouais, yes, great, la pince coupante. Et on a la pince coupante. Ouais. Ah, on a le deuxième engrenage, ok. Bah non. Ah, on a un truc. Oh, le vieil, maman elle aime bien tirer des vieux. Le goulot. Ah oui, on va mettre l'entonnoir alors. On a fait des roselles. Et après on va mettre ça, j'espère. Tu vois que je suis pas si bête que ça, hein. Oh, la voiture. Ah oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici? La lanterne du phare est composée de pinces. Je me demande bien pourquoi. Il va mettre un clou. Il veut qu'on mette les pinces. Ah, le clou, Ryan, tu crois? On doit rajouter. Mais où? Ah, il y a ici un truc. Il faut que je rajoute un truc. Ah, ok. On l'a pas encore. Ok. La radio, on l'a pas encore fouillée. Note. Fermée en raison d'évacuation.
Ok, great. Là, il y a un câble qu'on doit relier. Ouais, il faut le relier. On a un balai. On a les araignées. Non, pas le balai, ça me suit même dans les jeux. L'antenne est cassée. Et là, il y avait quelque chose, je sais plus. Non, 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 le truc. Les engrenages. Niche. Ouais, et un jeu. Ah, mais c'est fou. Engager les rouages violets, chacun séparément, pour ouvrir les loquets du rouage central et l'ouvrir. Ben, il faut mettre ça. Pour que ça, les deux roses tournent. Tu veux faire? Ouais. Ben, c'est, ça, c'est faux, ça se voit. Tu peux l'enlever. Hein. Ah oui, ça, c'est bien. Ben, fais la même chose de l'autre côté, parce qu'apparemment, il faut... Attends que ça fonctionne, c'est le plus important. Mais là, alors, ici, ça c'est bien. Et une. Non, trop loin. Ça va pas. Si tu veux pas, c'est parce qu'il dépasse. Prends une autre. Non, c'est pas bon. Prends la verte alors, qui est à côté. Mais là, donc, ici. Non, elle est loin. Mais là. Là. Ah bah non, elle est loin. Prends la bleue. Elle est plus grande. Mais là, ici, pour voir, ici. Non, non, elle va... Non, ça ne va pas. Fais ce que tu veux maintenant. Mes idées sont pas bonnes. Sinon, tu peux changer celle-là. Tu l'enlèves. Tu n'es pas obligé de faire la toute petite comme je t'ai dit. Elle est pas bonne, hein? Elle est pas bonne. Bah, elle va pas dans les... Si? Ah, ok, d'accord. Laisse-la, alors. J'ai cru qu'elle va pas.
coccyx. Et si je mets celle-là ici. Oh, trop bien, ça tourne. Par quel miracle. Pourquoi toi, tu ne tournes pas? Après, il n'y a plus rien. Je les ai tous utilisés, mais il faut. Bah oui, hein, c'est trop beau. Hein. C'est vrai. Non, ça va pas. Oh là là. Oh. Ouais, allez, vas-y, à toi, Ryan. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Prends ton temps. Voilà. Vas-y, fais. Non. Mais par contre, celui-là que t'as mis, il était bien. Ouais. Vas-y. Oui, il faut bien faire doucement pour que tu se matches avec. Ouais, vas-y. Non, il est trop loin. Trop loin. Vas-y, le bleu. Mais le, ah, ça c'est bien. Le bleu, il va bien. Non, ça se matche pas. Non. Fais doucement. Pour que tu... Non, tu l'as pas bien mis doucement. Oh, c'est bien ça. Ok. Oh, mais bon. Après, il touche pas le truc, hein. Fais un verre. Ah, c'est bien le verre. Il fonctionne. Qu'il faut partir par celle qui tourne en fait. Mais une petite. Il faut bien mettre le truc dans le. Bah non. Un peu loin. Peut-être placer la grosse plateforme parce que après c'est dur de faire. Les petites avances, ce serait dur de mettre les grosses. Ils sont tous bien jusqu'à un certain moment. Ah, elle tourne pas. Non. Non. Ah bah oui. Hein. Non, ça ne rentre pas. Mais regarde, non. Non. Bah elle tourne pas, si elle tourne pas, c'est que ça va pas, c'est tout. Hein. Bien sûr. C'est bon, allez, tu peux passer. Ouais. Bah oui, c'est trop facile. Hein. Quand d'un... Non, mais je veux dire d'un côté. Hein. Après, il y a les deux côtés. Hein.
il faut que tu mets sur le bouton. Le rond, il doit être vraiment sur le bouton et non, tu lâches. Le bleu, là, il a peu de... On est très bien. Mais une minuscule. Ça met le bleu, t'as même le bleu. Non, le bleu. Mais la petite, elle va pas. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Elle ne touche pas. Allez, on va passer. Parce que papa, il ne veut pas rester réfléchir. On va passer la journée là-dessus quand même. Il était où? Ah oui, il était là. Hein. On peut les rejouer plus séparément après. C'était, ah oui, c'était là, non? Je sais plus. Il manque des éléments, mais c'est quoi ces éléments? Ah ah, et on a un chiffre 50 et il manque des éléments. Bon, on ne sait pas. On a ici un papier. Ok, donc c'est une plaque en verre. Great. Oh, poltergeist. Attends, il y a un truc que je peux faire. Il a dit. Ah non, ça raconte. Allez, on va aller faire l'étoile d'araignée ici. Ah non, là, ça se passe ici. On n'y peut rien. Allez, tu crois que c'est ici le triangle? Ah si, c'était là le triangle. C'est pour refléter la lumière du phare. Ah ouais, carrément. Ah, il y a ici un truc. On va faire clou. Attends, je clique pas bien. Ah non. La brosse pour nettoyer? Non. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a un clou ici, non? C'est un clou? Il n'y a pas de... Quand il y a une action à faire, il y a une charnière. Un écrou qui se met. Ouais. Si tu fais ça comme ça, ça sert à rien. Et qu'est-ce que je dois faire pour que je sache qu'est-ce qu'ils disent? C'est peut-être pour afficher un code. Ah d'accord, ok. Bon, on reviendra par la suite. On va aller continuer les actions ailleurs. Ici, on est arrivé... Ah, il y a déjà ce truc-là, mais... La porte est étroite. Est-ce qu'avec ça, on peut aider? Non. Peut-être avec cette barre. Ah non, j'ai déjà testé, ça n'a pas fonctionné. On fait le clou. Le clou, ça marche. Ah oui, c'était ici qu'il aurait cru. Ah ouais, on enlève. Parce qu'ici, on ne sait pas ouvrir, alors on ouvre de l'autre côté. Ok, great. Donc, les jumelles, on a le tuyau. Trop bien. D'accord. Ok, donc, il n'y a plus rien ici. On a terminé de cette pièce. Allez, let's go. On va aller autre part. Ah oui, c'est parce qu'on avait besoin de relier quelque chose ici. C'est peut-être ça? Peut-être. C'est ça. Ok, donc maintenant qu'on l'a fait, on peut peut-être cliquer ici. Ah, maintenant ça fonctionne. Très très bien. Great. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'il fonctionne? Ici? Bah, on a toujours, il manque un élément. L'antenne est cassée, tu crois qu'on peut la réparer avec ça? Non. Mais on peut peut-être voir maintenant quelque chose ici. Ah, voilà. On a un code maintenant. Voilà. La lumière qui éclaire le mur semble afficher un code. Tu as retenu le code, toi? Ah oui, c'est ça. Mais il manque toujours des éléments. Donc il y a X, 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 L et L. C'est là. Tu crois ici? Attends, j'ai pas bien cliqué. Là? Ici, tu crois? Ok. Ouais, on a déjà les codes. Bah, attends, on va voir. Ah, bah voilà, on va pouvoir faire l'étoile d'araignée. Ok, allez. On a récupéré quelque chose ici. Trop bien. C'est un composant de radio. Ici, on a le machin. On pourrait utiliser la pince, voir ce que ça donne. Ok, on va récupérer... Ah oui, on va faire une antenne. Comme à l'ancien temps. Ouais, à l'ancien. Salut Sophia. On va faire une antenne ici. Comme avant. Tu te rappelles, c'est comme ça qu'on faisait les antennes avant pour capter un truc. Ah, il manque toujours un élément. Ah oui, c'est vrai que c'était ça. Ok, d'accord. Il manque toujours un autre. Ça va, ça marche. On va aller dehors parce qu'on n'a pas... Ah, peut-être ici qu'il manque ce truc-là, la charognière. Ah ben voilà. Et on a ce qu'il faut maintenant. On pourra continuer. Donc c'était là.
et on va mettre ce qu'il faut. Là, on peut faire notre mini-jeu. Sélectionner les fréquences affichées sur le papier. Donc, on a XX. Ici, on a XX. Punaise, c'est quoi ce truc? Ah ouais! Je pas comprends. C'est clair que j'ai pas compris. Il faut qu'on affiche XX ici. Donc il faut qu'on allume les deux premières. Sur la deuxième ligne, on va peut-être allumer, je pense, celle-là et celle-là. Et dans la troisième ligne, on va allumer la toute dernière. Je pense que c'est ça. Après, quand tu cliques, celle-là, elle fait tout, quoi. Donc, c'est pas. Après. Ouh là, la violence. Bon, je vais réfléchir comment on pourra sauvegarder. Sinon, tu peux relire, voir ce qu'ils disent. Parce que j'ai pas compris, moi. C'était quoi alors la bonne réponse? Ah ouais, un escalier. T'as un micro? T'as gagné un micro? Ah, on communique en fait. Ici le shérif du comté de Burnfield. Numéro d'insigne, blablabla. J'ai besoin de renfort. Un avion s'est écrasé avec des passagers à son bord. Ah, dans 40 minutes, l'équipe de sauvetage. Ok, super. On sera sauvegardé dans 40 minutes. Oh, aidez Anna. Je vous en prie. Et l'on a après elle aussi. Ah oui. Qui êtes-vous? Vite, il est dans l'église. Aidez-la. Hey, attendez. Ah oui, parce que nous, là, on joue le rôle du shérif, mais il y a encore Anna. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Cette femme ressemble énormément à Anna, une fille que j'ai rencontrée en ville. Je dois retourner auprès d'elle le plus vite possible et m'assurer qu'elle va bien. On doit retourner voir Anna. Pendant ce temps à l'hôpital, ça c'est Anna là qui va à l'hôpital parce qu'elle était... Et voilà, ces aventures péripéties, nous allons clôturer cet épisode qui dure plus d'une heure déjà et on va continuer dans la prochaine vidéo. À bientôt. Sinon, Ryan, au revoir.